fait, il faut que je vérifie. Thierry, c'est un véritable uppercut là qu'il leur a mis aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est un dur. Et Damien lui a donné un bon parcours. Je pense pas qu'il a pris dur sur cette course-là. Et il a bien fini, impeccable. Il est vraiment incroyable. À chaque fois, on le dit, mais on a l'impression qu'il progresse déjà d'une part, et puis qu'il prend tout du bon côté. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas dit ça il y a peut-être 3-4 mois. Et puis, ça s'est enchaîné, le prix de Londres, et puis la suite. Non, je pense qu'il s'améliore peut-être encore. On se voit aujourd'hui, je pense qu'il s'améliore encore. C'est bien. C'est une sacrée journée pour toi aussi aujourd'hui. Là. Deux groupes dans l'escarcelle. C'est, pour commencer le meeting, ça pouvait pas être mieux. Oui, tous les chevaux avaient bien travaillé dimanche matin. J'y comptais pour déjà des places. Après, de la gagner, c'est des fois plus dur, mais j'étais confiant quoi, pour les trois. Ouais. Même rapide, je le sentais bien. Bon bah, contrat rempli, prochain gagnant de l'écurie Thierry Ravelot ? Ouais, prochain gagnant, là, je sais pas, on a sorti les grosses cartouches aujourd'hui, donc je sais pas. Un cheval qui te fait plaisir le matin ? Il y a Vaptimus et Bon Copain, c'est deux chevaux à suivre qui vont venir là sûrement. Damien, on peut dire que tu as monté une très jolie course. Je pense qu'ils peuvent l'amener à l'école de Graigne et la montrer. Non, je suis fier de moi. Le cheval a été beau aussi. Il a répondu finalement à tes attentes. Dans le dernier tournoi, tu ne savais plus le mettre. Voilà. Donc quand c'est comme ça, il y a juste à ne pas grimper dans les eaux de devant et tenir ses rênes. Mais c'est un super cheval. Ouais, là, depuis quelques temps, on sentait qu'il faisait jeu égal avec le cheval de Franck Leblanc. Là, aujourd'hui, même si le cheval de Franck Leblanc est moins bien, le tien, on sent qu'il progresse aussi. Ben voilà, à chaque coup, de courir c'est à ce niveau-là et de faire voir qu'à chaque coup c'est mieux en mieux, c'est qu'il était sur la montante, hein, sinon il irait dans l'autre sens. Non, il a un bon mental et c'est un cheval de classe, et puis là aujourd'hui on les bat à la régulière. Franck Sourire, deuxième, pas d'excuses. Bah, le cheval était un peu moins souple, hein. Je n'étais pas trop bien assis en partant, c'était pas le cheval d'habitude. Mais bon, il fait sa valeur, enfin il court bien quand même, quoi. Je pense qu'il peut être mieux que ça à mon avis. En montant, on t'a vu forcer l'allure, c'était un souhait volontaire de ta part? On sait qu'il est bon à cet endroit du parcours, hein. Normalement il écœure les autres au train. Là j'allais facile, hein. J'étais vraiment facile tout le parcours, mais j'étais mal assis, je ne pouvais pas avancer, quoi. J'étais obligé d'assurer pour finir. La suite, avec le fait qu'il soit ombre, le programme, il est favorable ou pas? Ah, il a des courses, oui, je crois qu'il a des courses. Maintenant, il faut que le cheval soit bien, voilà, c'est tout. Seb, Roxane battue, mais avec les honneurs, j'ai envie de dire, et dans une course, pas de feignant. Hein. Non, ça allait vite, et puis en descendant, peut-être qu'il aurait dû rester dans le dos de Touré de Crépin, parce qu'il a refait un effort pour prendre le dos à Sourire de Voudray. Après, comme ça, on n'aurait pas été dans son dos, on aurait été troisième à la corde, ça aurait été rue moins d'un coup, quoi. Alors, elle aurait peut-être pu souffler un peu plus. Et puis bon, voilà, elle fait sa course. Bien. Là, pour toi, elle fait sa valeur aujourd'hui. T'es à l'impôt. Je la trouve un peu molle. Ouais, je trouve au niveau poil, je l'ai eu plus belle que ça. Donc voilà, peut-être un tout petit peu défraîchi. Peut-être un travail un peu trop fort peut-être pour la course. Faut voir, enfin je sais pas, je dis ça, mais voilà, marché à mon 7, elle fait sa course. Et puis c'est de Hong, donc le soleil ne va pas nous embêter pour fin janvier. Janvier. Voilà. I don't know just how it happened. I let time.